Eh bien, salut à tous, c'est Nasfoog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Battlefield 1 pour du gameplay en cheval et juste en cheval, on fera rien d'autre. C'est parti, on a déjà notre premier cheval, donc je le rappelle, nous avons un fusil en coup par coup ainsi qu'un sabre, très joli au passage. Je me fais pousser par une voiture. Je crois qu'il y a la voiture qui essaye de m'avoir, sauf que je bouge trop vite pour que la voiture arrive à m'avoir. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez qu'ici, il y avait pas mal d'ennemis une fois où j'y étais allé. On regarde vite fait s'il n'y en a pas encore. S'il y en a déjà en haut, on peut voir ça. Oh, je l'ai pas eu. Non, sérieux, je l'ai pas eu. Putain, j'étais certain de l'avoir pourtant. Salut. Oh, putain, je l'ai aussi loupé. C'est bon, on en a un autre, cependant il reste qu'une minute, donc ça va être chaud de faire un kill là. Parce qu'en plus on est au niveau de notre spawn, donc le temps que j'arrive, je me fais sniper. Ah ouais, mais regardez, il y a un mec qui snipe depuis, qui snipe nos spawns là-bas. Regardez ça. Troisième... Ah non, je l'ai eu. Voilà, je préfère ça. Voilà, merci. Il y a des fois, c'est buggé, mais là, ça va. J'ai eu un petit peu de chance sur ce coup-là. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, mais avec le cheval, vous pouvez aussi écraser les ennemis. Ça les one-shot tout de suite. Allez, il reste 30 secondes. On va essayer de faire encore un ou deux kills. Première partie terminée. C'est parti, manche suivante. Alors déjà, il fait beaucoup plus beau, ça, on peut pas le nier. Est-ce que je pourrais taper la pause pour une petite miniature, s'il vous plaît? Alors maintenant, faut que j'arrive à faire que le cheval se lève. C'est super difficile, en vrai. Ouais, trop difficile. Ils viennent de prendre l'objectif C. Hop, un en moins. Et ils sont encore sur les toits, les mecs. On arrive à l'objectif B. Je vois personne, malheureusement. On va aller peut-être vers l'objectif A. Ou alors, on retourne dans la ville. Le problème de la ville, c'est que je peux facilement m'y bloquer avec le cheval. Putain, ah si, j'ai cru que je l'avais pas eu. Mince, du gaz moutarde, faut que je fasse attention. Il fait super mal, le gaz moutarde. On se rend peut-être pas compte, mais je peux vous dire qu'il fait énormément de dégâts. Oh merde, il y a un tank qui m'a vu. Et il y a lui que je viens de voir. Merde, il vient de mourir. J'essaie de me barrer vers le point E, peut-être. Des fois, il y a des mecs qui partent du point E et qui vont au point A à pied. Ça peut faire de bonnes cibles, ça. Sauf que là, je ne vois personne. Bon, on va aller au point A. Il y a toujours des ennemis de façon au point A. Tiens, qu'est-ce que je vous avais dit? J'en vois déjà un. Regardez comment il campe. Allez, salut. Quoi? Je l'ai... Mais sérieusement? Non, mais là, c'est pas possible. Il y a un bug. Je suis obligé de passer sur eux pour être certain de les tuer. Ah, mince. Je suis quasiment mort. Il me reste 13 points de vie. Mon cheval, lui, il est en pleine forme, mais moi, je suis quasiment mort. Putain, je l'ai pas eu. Je pensais que j'étais passé sur lui. Mince, du gaz moutarde. Faut que je fasse attention à ça. Ouh là là, tous les tanks. Pour ceux qui veulent savoir, oui, on peut tirer avec le fusil, c'est comme ça. Par contre, le rechargement est hyper long, alors ça, le rechargement, laissez tomber. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller à l'épée, quoi. Si vous pouvez utiliser l'épée, faites-le. Et en plus, c'est super stylé. Je l'ai pas tué, mais je lui ai... Putain, je lui ai marché dessus, quoi. Et là, je l'ai pas tué, je lui ai coupé la tête, mais il est pas mort. Voilà, merci. Il y a l'air d'avoir beaucoup de bugs, hein. Je sais pas comment ça se fait. Ah, je sais pourquoi. En fait, je suis en train de télécharger, et si vous regardez en haut à droite, j'ai un symbole d'heure. Parce qu'en fait, je suis en train de laguer à mort. Je sais pas si on peut voir les pings. Non, on peut pas voir les pings encore. Mais ouais, je suis en train de laguer à mort, c'est pour ça. D'accord, ça va être très compliqué alors en laguant. Déjà que de base, c'est pas facile. Mais alors en laguant... Ok, je lui ai marché dessus. Enfin, galopé dessus, on dirait plutôt. Je sais pas trop. Ah, je vois plus où est l'ennemi. Non, c'est bon, je le vois. Ok, c'est bon pour lui aussi. Avec le lag, c'est super difficile parce qu'en fait, je me vois passer sur l'ennemi, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est super difficile. Pour vous donner une idée, regardez tout ce que je télécharge. Donc, c'est en train de me bouffer toute ma connexion, malheureusement. Déjà que j'ai pas une connexion de fou, mais alors là, il faut savoir sur le cheval que, un, il est extrêmement résistant. Donc, franchement, cherchez pas à tuer le cheval, cherchez plutôt à tuer l'ennemi. Ensuite, il faut savoir que la personne qui se trouve sur le cheval est lui aussi blindé. Bon, pas autant que le cheval, mais il est quand même bien blindé. Oh, what the fuck. Le mec a sauté de son avion, l'avion s'est crashé juste devant moi. Ok, je vois quelques ennemis, on va pouvoir s'amuser. Oh, merde. Allez, hop, ça dégage, merci.
Voilà. Allez, 50 secondes pour que je tue encore quelques ennemis. Allez, s'il vous plaît, faut que j'en trouve là. J'en vois pas beaucoup. Ils sont bien cachés, hein. Ah, si, j'en ai vu un. Je l'ai pas eu. Non, mais sérieusement. Voilà, merci. Hop, lui dégage, merci. Lui aussi. Oh là là, parfait. En 30 secondes, déjà 3 kills. Peut-être même plus, qui sait. Non, ça va être la fin. Et bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié ce gameplay en full cheval. Il y a eu quelques bugs, mais ça, c'est à cause de ma connexion. J'en suis désolé. Je pense que sans les bugs de connexion, on aurait bien monté le nombre de kills. Je suis à combien de kills au passage? Ça serait sympa de savoir. Alors, je suis dans les derniers parce que j'ai absolument pas joué objectif. Et j'en ai tué combien? 12 ennemis pour 2 kills. Un ratio de 6. Bah attendez, j'ai pas l'un des meilleurs ratios. Ah non, il y a quelqu'un qui a un ratio de 17. Autant pour moi. Écoutez les amis, on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.